Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. On se retrouve, nous sommes le vendredi 3 décembre et vous l'aurez vu dans le titre, on va faire une ouverture de colis. Donc j'ai reçu un colis de Géraldine. Elle m'a envoyé un mail, je ne savais pas du tout qu'elle allait m'envoyer quelque chose. Elle m'a envoyé un mail comme quoi j'allais recevoir un colis. Donc chose faite, le voici, le voilà. Et du coup on va l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est franchement la surprise, vraiment, vraiment. Alors bon, voilà, vous aurez vu dans le titre qu'il y a marqué ouverture de colis, donc au pire, ne cliquez pas sur la vidéo, à bon entendeur. Alors, oh putain, c'est bien bien scotché. Le facteur, il passe tous les jours en ce moment, il me dépose des colis entre mes commandes et ce que je reçois. Et je suis sûre qu'il doit se dire, mais en ce moment, elle. Alors, oula. Je vous montre comment ça se présente. Ça se présente comme ceci. Et je pense que ça va être sur la chaîne Scrap. Oh ouais, putain. Ouais, bon, c'est sur la chaîne Scrap, c'est pas sur la chaîne secondaire là. Pour le coup. Alors, attendez. Je vais mettre un truc à côté de moi, hop, et on va ouvrir ça ensemble. Mais t'es folle, Géraldine? Oh là. Alors, j'ai une enveloppe déjà comme ceci. Et je vais vous montrer l'intérieur du colis. Voilà. Comment vous dire? Vous êtes folles, les filles, franchement, vous êtes folles. Oh, ça c'est trop bien. Alors déjà on a la petite carte qui est trop belle. Comme ceci, elle est trop trop belle. J'adore. Alors là, il y avait un petit sequin. Regardez. Elle est juste trop trop chouette. J'adore, elle est simple mais efficace. Et regardez en fait, elle a mis une petite pochette ici. Là, elle a fait un tampon petit papa Noël. Et là, j'ai son petit mot. Un petit. T'écris bien. Oh là là. Elle écrit super bien. Elia, tu l'as bien écrit, tu vois. Merci beaucoup, Géraldine. Merci, merci. Juste pour vous montrer son écriture. Elle écrit super bien. Merci beaucoup, Géraldine, pour ton gentil mot. Alors, du coup, voilà, ça fait 10 ans qu'elle scrape. Donc, on a du niveau là. Mais ta carte est très jolie. J'aime beaucoup et le Père Noël et tout ça. Et là, comment vous dire qu'elle m'a envoyé, oh lolo, ça c'est trop bien, plein de tamponnages en fait sur Noël. Donc on a Vive le vent d'hiver, falalalala. Encore Vive le vent d'hiver, mais en rouge. Là, on a Bonne et heureuse année, on vous souhaite un joyeux Noël et falalalala. Vive le vent d'hiver. Meilleurs vœux. Saison féerique, le temps des fêtes, des amis comme vous rendent cette saison si joyeuse. Que Noël crée des souvenirs. Putain, c'est trop bien, je te remercie beaucoup. C'est trop trop chouette. Et on a Petit Papa Noël, le feu danse dans la cheminée et écoutez les clochettes. Merci beaucoup Géraldine, c'est juste trop bien. Voilà, tu vois, tu tombes à pic avec ça, c'est trop trop bien. Donc en fait, elle m'a dit dans son mot qu'elle m'avait envoyé des choses qu'elle avait en double. Mais putain, t'es malade, t'aurais pas dû m'envoyer tout ça quoi. Ah, j'arrive pas. Alors, on a dans l'enveloppe, elle est grande comme ça, j'arrive pas à remettre mes papiers dedans. Je vous jure que.
Je remets la carte aussi avec. Bon, mais c'est parti, vous êtes prêts? Alors, nous avons plein de petits stickers comme ceci, avec les petits sapins. Enfin, vous les connaissez sûrement, c'est ceux de chez Action. Alors, cette année, je ne sais pas s'ils les ont fait chez moi, ils ne semblent pas les avoir vus. Mais ça, ils nous les avaient fait pendant 2 ans à peu près. Et c'était une grosse boîte comme ça, avec des petits stickers comme ceci. Alors, je ne sais pas s'ils les ont fait cette année. Donc, je te remercie beaucoup. Donc, on a le petit Père Noël, on a le pain d'épices, etc. Ça, c'est vraiment très sympa. J'essaierai de faire une carte avec ça, là, pour vous donner des idées de quoi faire avec. Ça, c'est trop joli, j'adore. Tu vois, j'aurais eu ça pour ma couronne, j'en aurais mis. Là, on a des genres de petites pommes, comme des pommes d'amour, un peu un champignon. On a des... regardez. C'est trop joli. Le champignon et tout, j'adore. J'aurais ça, vous voyez, ça j'aurais mis sur ma couronne. Trop sympa. Bon, j'ouvre pas, je laisse dans les paquets. Merci beaucoup. C'est trop là, il y a trop de trucs. T'es folle. Oh là. T'es folle. Alors là, on a plein d'embellissements en bois sur le thème de Noël. C'est trop bien. Il y en a que j'avais, que j'ai plus. Et il y en a que j'ai jamais eu. T'es malade. Il y a trop de trucs. Bon, je vous montre. Alors, le sachet, il est juste plein. Mais quand je vous dis plein, il est plein, plein, plein. Et on a des étoiles, on a des paquets cadeaux, on a des Pères Noël, des sapins, des cloches, des petites cloches. Enfin, voilà, on a gavé de trucs de Noël. Elle était folle, il fallait pas envoyer tout ça. Merci beaucoup. Il y a des trucs, franchement, c'est trop beau, quoi. Vous voyez ça, là? Regardez. Voilà, c'est trop joli. Je n'ouvre pas, je laisse dans les paquets. Merci beaucoup, Géraldine. C'était folle. Ah, ils sont trop beaux. Là, on a des petits anges et des petits rennes en bois et argenté, comme ça. T'as du jambon, si tu veux, mon cœur, dans le frigo. Oui, ah bon, Elia est en train de manger. Voilà, hop. Mais j'ai pas remis au collège aujourd'hui parce que. Est-ce que j'ai le droit de dire que t'es folle? Alors, on a des rubans. Ceux-là, ils sont super jolis. Ibiza Ribbon en couleur un petit peu beige. Voilà, comme ceci. Alors, je sais pas si. Je suis pas très bien calée par rapport à la luminosité que j'ai derrière. Voilà, comme ceci. Ils sont très très jolis ceux-là. Ceux-là, ils font un petit peu. Comment dire Enfin, vous voyez quoi. Je vais pas trouver mes mots, je suis trop perturbée là en fait. Il y a trop de trucs quoi. Ceux-là, je crois que je les ai pris et ils sont trop jolis. Alors, on a des rubans. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ceci sur le thème de Noël. Alors, on a le rouge, on a celui avec les petits bonnets de Père Noël, rouge et blanc comme ça, le vert avec les étoiles et celui-ci. Franchement, ils sont trop jolis, je te remercie beaucoup. On a 6 fois 2 mètres. Je compte alors que c'est écrit en gros quoi. Mais j'adore, c'est quand même marre, j'espère que ça te plaira. Ouais, bien sûr que ça me plaît. Bien sûr que ça me plaît. Mais c'est trop. Franchement, c'est trop. Là, on a encore 6 fois 2 mètres. Ceux-là, je ne les ai pas. Et le Merry Christmas blanc, là, il est trop beau. Ah, regardez. Le Merry Christmas, là, il est joli. Il est fin. Enfin, voilà, ils sont tous jolis. Hein, mais merci beaucoup. Il faut que je me bouche. Je suis désolée. Ah, ces fleurs, je ne les avais pas. Là, j'ai des fleurs, des grosses fleurs. Alors, celles-là, je ne les avais pas prises et je ne les ai pas. Comme ceci, en blanche et en rose. Voilà. Et ces fleurs de chez Action. Celles-ci, je ne les avais pas prises. Donc, ben, c'est bien. C'est top pour le printemps. Ça, on peut mettre ça et entourer avec des petites. C'est cool. Merci. C'est trop, je sais pas quoi dire, ça me gêne.
Là, on a plein de petits. Alors ça, c'est pareil. On peut récupérer, vous voyez, les petits rubans là, si on s'en sert pas, des tags pour faire justement pour mettre sur des petites cartes, etc. C'est super sympa. Donc là, en fait, on a plein de petits tags d'étoiles. Alors on a deux tags, un blanc et un doré, et on a les petits sapins là. Franchement, ils sont trop canons. Les petits sapins couleur miroir comme ça, et on a des étoiles blanches aussi. C'est trop sympa, merci beaucoup, c'est top. Ouais, ça me donne un récupérer un petit peu des cordelettes là pour mettre. Je vous montrerai. Pareil, je vous montrerai. J'ai tellement de choses à vous montrer que je ne sais pas si, non, si le mois de décembre va être assez long. Oh, ils sont beaux. Là, j'ai des petits die cuts dans les tons, un petit peu tous les couleurs sur Noël. Comme ceci, regardez. On va les ouvrir ceux-là. Il y en a qui m'ont. Alors, on a une grosse caravane comme ceci. Et après, regardez les petites tacs. Comme ça, là. Joyeux Noël, comme ceci. Ils sont chouettes. Fait avec amour. Ah, ils sont trop choux, j'adore. Lui, il est trop marrant. Regardez. Sa petite tête. Il me fait trop rire. Et là, on a des petits sapins et tout. Enfin, voilà, on a plein de choses à l'intérieur. Franchement, c'est juste top de chez top. Je te remercie beaucoup. Oh, putain. C'est lui, tout à l'heure, j'avais vu. Vous voyez? Il est sympa, celui-là. Et franchement, j'en prends plein les yeux tous les jours en ce moment. C'est trop. Là, on a. Ah, mais ça vient de là. Ouh, là, 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 la poche est ouverte. Donc là, on a plein de petits sequins. Donc, dans les couleurs de Noël. Alors, on a des sequins vert, rouge, or et des petits. Et des étoiles blanches. Ça, c'est bien pour faire. Justement, je voulais en faire une carte checker. Merci beaucoup. Par contre, la poche est assez ouverte. J'ai un petit peu de sequin qui participe à la récupérer une fois ouverte. Ils sont beaux. Alors là, on a encore une pochette. En plus, elle m'a fait ça trop bien. Avec plein d'embellissements, encore une fois. Alors, on a plein, plein d'embellissements comme ça. Et en fait, alors, on a des roses rouges. Elles sont trop belles. Mais lui, là, regardez. Comment il est trop joli. Un renne, mais un renne, il est en tissu. Vous avez vu? C'est en tissu, je connaissais pas du tout ça. Il est tout mou. Oh, c'est génial. On a plein de trucs. On a des petits bonhommes, un pain d'épices. On a des fleurs en tissu, des roses en tissu comme ça. Elles sont super belles. On a le sapin pareil que le renne. Regardez. Je sais pas si vous connaissez vous cela. Des petits embellissements comme ça. Enfin, moi, je connais pas. C'est trop joli. Et on a des petits embellissements aussi comme ça en 3D. Hop. Vous voyez? Ils sont chouettes. J'adore. Merci beaucoup. C'est trop. Je pense que je vais m'acheter une boîte pour mettre tous les embellissements là de Noël. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire parce que là, il y en a des trop jolis dedans, franchement. Merci, c'est top, c'est top. Ensuite, on a cette boîte-là. Alors moi, je sais plus si je l'ai en bleu. Je sais que j'en ai, mais en bleu, je sais plus. Vous savez, c'est les boîtes comme ça là. J'avais fait déjà des tutos avec, et dedans, en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Vous avez autant des, en fait, sur le même thème, des petits nœuds, de la petite cordelette, des petites strass, des petits rubans, des boutons, des pompons, des fleurs et des sequins. Vous voyez, ça c'est bien. Alors, je sais pas s'ils font toujours ça à Action, mais ils en faisaient de toutes les couleurs, violet, jaune, bleu et rose, je crois. Ouais, rose. Mais bleu, je sais pas si j'avais pris, je m'en rappelle plus. Merci beaucoup. C'est top. Ah, ça, je les ai vus, j'ai hésité à les prendre, mais bon, après, je vous montrerai après. Là, nous avons du ruban Frozen Witch. On a 2 mètres en couleur argentée paillette.
Il est sympa comme ça. Tout argenté en fait, tout simple argenté comme ça. Voilà. Merci. Et ça, j'ai hésité la dernière fois, je les ai vus, c'est partie des nouveautés. Et moi, je ne l'avais pas pris parce que je dis, je sais pas. Et donc, du coup, tu me les as envoyés, c'est trop bien. C'est les gros alphabets, vous voyez, c'est vachement plus gros en fait que les petites lettres qu'ils avaient fait une fois. Donc, on a tout l'alphabet. Ensuite, on a un arrobase, un hashtag, on a un genre de multiplié, le and. On a même des parenthèses. Et après, dessous, là, je ne sais pas ce qu'il y a. Et là, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Voilà, vous voyez, il existe des boîtes comme ça qui sont vachement plus grandes. Et pour faire vos vitrines, là, ça peut être sympa aussi de faire une vitrine avec. Enfin, vous voyez, avec des casiers comme ça aussi grandes. Donc, si vous achetez des boîtes comme ça, ben, les jetez pas, gardez-les. Voilà. Après, moi, j'avais fait sur le thème de Noël, mais vous pouvez faire sur le thème Pâques, enfin, sur tout ce que vous voulez, quoi. C'est trop chouette, merci. C'est génial. Ah, et après, on a les chiffres, hein, je pense. 1, 2, 3. Ouais, on doit avoir les chiffres derrière là. Merci, merci. Ensuite, nous avons du glitter foil adhésif. Donc, c'est des feuilles. Alors, ça, c'est bien. Ça, là. Donc, en fait, c'est en couleur dorée. Donc, ça, c'est top pour faire vos découpes. En fait, vous faites vos découpes et elles sont déjà autocollantes. Donc, là, pour vos découpes de Noël, j'en sais rien, c'est du doré, donc des étoiles, enfin bon, n'importe quelle découpe de Noël. Vous les découpez là-dedans et en fait, après, vous n'avez pas besoin de mettre de colle, vous enlevez et ça sera directement comme un autocollant, quoi. Donc, ça, c'est vraiment bien pour faire ça. Et après, bon, vous pouvez toujours recouvrir des choses et tout ça avec, mais alors là, il ne faut pas se tromper parce qu'une fois que c'est collé, quoi. Donc, voilà, ça, j'ai. Mais ça, pour faire des découpes et tout, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Géraldine, t'abuses. Oh là là, la bobine, elle est trop belle à garder. Alors là, on a une bobine avec du. Déjà le. C'est pas un ruban, c'est. Je vous montre parce que sinon, je cherche mes mots, hein. Vous voyez, ça fait un genre de vague. Je l'ouvre pas, sinon ça va tous démouler. Mais se dérouler. Ça fait un genre de. Enfin voilà, de ruban. Mais alors la bobine, on en parle. Comment elle est trop bien en bois comme ça, à garder pour faire je sais pas quoi d'ailleurs. Mais vous voyez l'épaisseur du bois de la bobine. Elle est trop bien. Première fois que je vois une bobine comme ça. Là, ça fait un. Ouais, comme un ruban, quoi. Mais il fait des petites vagues. Il est super fin. Il est trop beau. Ah, j'adore. J'adore. Merci. Oh, mais là, tu m'as gavé. Putain, tu m'as gavé. Du ruban autocollant. Alors, cela, j'en suis fan. J'utilise beaucoup cela. Alors là, on a blanc et bleu, comme ceci. Cela, ils viennent de chez Action, comme ça, là. Et après, on a beige et blanc avec un liseré bleu à l'intérieur, comme ceci. Vous savez, c'est ceux qui sont comme ça là. Ceux-là, ils sont trop bien. Parce qu'il y a déjà l'autocollant dessus, donc on a juste à enlever et à coller. Donc c'est vraiment top ça. Merci. Vous avez entendu que j'ai rangé ma scrap room, c'est pour ça que vous me la remplissez. Et là, on a ceux-là. Alors, ça, c'est des rubans de Noël, Christmas Ribbon. Alors, on en a un gros argenté avec des pois blancs. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, si vous le voyez, comme ceci. Donc de cette marque-là. Et ensuite, on en a un argenté et blanc et qui est un peu comme celui-là, comme ça, là. En petite vague. Il est trop sympa aussi, j'adore. Merci. J'en ai pas acheté un en bois comme ça. J'en ai pas pris un. Et apparemment, ils sont super bien. J'en ai pas acheté un. Moi, j'aimais bien. J'avais hésité à prendre celui avec la petite enveloppe. J'aimais bien. Et là, on a le petit paresseux. On a un petit ado. Un ado sur sa feuille. Il est mignon celui-là. Je crois que je teste. J'ai vu beaucoup de personnes qui les ont pris et qui ont vraiment aimé en fait.
qui ont vraiment aimé ces tampons. Et c'est vrai qu'au visuel et tout, ils ont l'air vraiment très très bien. Mais je connais pas du tout. Alors, ensuite. Alors, nous avons des. Alors, nous avons ceci avec deux anneaux. Alors, est-ce que c'est des. Je sais pas. Donc, il y a marqué Mary comme ceci. Derrière, on a un papier comme ceci. Et. Oh putain, t'es malade. Mais t'es folle. Comment c'est trop bien fait, n'empêche. Faut que je vous montre ça. Géraldine, je sais pas quoi dire. En plus, ça a dû prendre un temps. Alors en fait, apparemment, elle a l'air d'avoir fait plusieurs thèmes. Mais t'es folle. Donc en fait, c'est des genres de classeurs comme ceci qu'elle a fait maison. Je vous explique. Donc en fait, à l'intérieur, c'est comme ça. Et à l'intérieur, elle m'a mis, voilà, des découpes. Donc là, on a des tamponnages. Et elle a tout classé. Et elle a écrit, genre ici, c'est hiver, avec un beau liseré, etc. Vous voyez, comme ceci. Du coup, on tourne la page. Voilà, comme ça. Là, on a une autre pochette avec plein de tamponnages. Et dessus, elle a marqué citation sur l'hiver. Donc là, on retourne. On a une autre page plastifiée. Elle a avec des découpes. Et là, elle a marqué décor de Noël. Là, nous avons citation de Noël, pareil avec plein de découpes. Et ici, tout est rangé en fait. C'est là, pareil, citation de Noël avec plein de petites découpes déjà faites avec des citations de Noël. Là, on tourne la même chose. Bonne année, là, cette fois-ci. Donc, vous voyez, elle a tout classé par thème. Là, nous avons Joyeux Noël. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le boulot, quoi. Il y a les pochettes plastiques, il faut perforer, il faut faire les albums comme ça. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est. Et en plus, c'est super bien fait, quoi. Il n'y a pas d'erreur, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Voilà. Donc là, vous voyez, à mon avis, c'est classé par thème. Donc là, on en a comme ça dans les couleurs roses. Ça me gêne, hein. Franchement, c'est trop quoi. Là, on a le thème Joyeux anniversaire. Le plein de soleil. Il est absolument extraordinaire. Tu es absolument. C'est énorme. C'est énorme. J'ai pas de mots en fait. Fête des pères. Donc on a des mots pour la fête des pères. Là, on a la force est une inspiration. Et, vous voyez avec les papiers colorés derrière, etc. Mais c'est un truc de fou quoi. Citations diverses, bisous et câlins à ma tendre amie, une... mais c'est trop trop bien quoi, c'est un truc de malade, je bouffe, je... citations diverses encore, voilà, des petits mots déjà, voilà. Mais une petite surprise pour toi, ça c'est le mot, vous voyez, et puis là on a la dernière pochette. Je sais pas quoi dire moi, non mais il n'y en a pas que deux, hein. Bien, je sais pas quoi dire. Donc là on a des petits phares et là des petits bateaux.
Bon, moi je dirais sur le thème de la mer. Attendez, j'ai des sequins partout. Je dirais sur le thème de la mer. Et dis donc, tu fais des choses de grand. C'est trop bien tes trucs. Donc là, on a et dis donc, tu fais des choses de grand. Là, on a des papillons. Je sais pas si vous voyez ton sur ton. Là, nous avons je donne 5 étoiles à notre amitié. Ton amitié est aussi indispensable que le soleil après la pluie. Ça, c'est le tamponnage en fait où il y a écrit ça. Merci d'être celle avec qui je suranalyse tout. J'arrive plus à lire. Et elle m'a perturbée, Géraldine. Je suis là pour toi, sérieusement. N'essayez pas de te débarrasser de moi. Putain, ces tampons, ils sont énormes. Cadre et tags diverses. Donc là, on a plein de petites découpes. Mais elle a tout marqué sur la pochette. Aidez-nous. Ça a dû lui prendre un temps de fou, quoi. Mais. Puis alors, les trucs avec les anneaux comme ça. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai des sequins partout. Donc là, on a celui-là. Comme ça. Alors là, nous avons des plumes. Là, on a bonne fête des mères. Ça, c'est cool d'avoir ça aussi. Là, nous avons reviens-nous vite. Tu t'es gavé quoi. Citations diverses. Donc là, on a des citations diverses. Donc, dire qu'avant on faisait les 400 coups, maintenant on ne passe plus les 12 coups de minuit. Le temps file. Ah, c'est pas mal ça. Ensuite, on a les petites joies de la vie sont les plus belles avec toi. Là, c'est des étiquettes de matage. La étiquette vierge. Et là, après, c'est le derrière. Et je suis sur le cul, moi. Je suis désolée de l'expression, mais voilà quoi. Il y en a un, deux, trois, quatre et cinq. Allez, je vous montre le dernier. Celui-là aussi, il a des petits phares. Le papier est très joli d'ailleurs. Il est très, très, très fin. Ouais, j'adore. Tu nous manques. Donc là, c'est le mot tu nous manques. Des feuillages. Mais franchement, citations diverses. Donc là, on a bonjour, toujours. Et infiniment, enfin voilà, mais elle a fait ça trop bien quoi, c'est un truc de malade. Mon amour est plus grand que l'océan. Nœud à former, donc là on est directement les nœuds pour les découpes pour les nœuds à former. Là c'est magnifique la différence que peut faire une seule personne. Vous imaginez qu'elle a écrit ça sur le tampon quoi, un truc de fou. Que de souvenirs divers nous vous réconfortent aujourd'hui. Citations diverses. Donc là, on a plein de citations diverses dans celle-ci. Mais tu sais quoi, j'ai même pas envie d'ouvrir tes petits sachets et tout là. Parce qu'après, là, on a encore des citations diverses. C'est. Je raconte des cracks parce qu'elle a fait ça bien. En plus, on ouvre par le bas. Petit hashtag Google. Un petit mot. Ah, il y a juste écrit un petit mot sur le truc. Vous avez vu? C'est un truc de dingos. Je vais pas m'en remettre. Mon rayon de soleil. Oh, c'est énorme ça sur des parapluies. Mon rayon de soleil. Ah, c'est génial. Et là, on a après la pluie, via le beau temps. Pareil sur de genre des hauts de parapluie comme ça. Ben là,
C'est Dieu, bah voilà. Hein. Je suis sur les fesses, quoi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Là, nous avons un ruban blanc, tout simple, comme ceci, qui est très joli. Il est un peu, il est un petit peu, enfin, il y a une petite matière dessus, je sais pas comment vous dire. Et là, nous avons. Oh! Le papa pingouin, le papa pingouin. Un petit tamponnage de pingouin où il y a marqué Snow Cool. Voilà. Et après, nous avons plein de sequins au fond du carton et j'en ai plein par terre. Mais c'est pas grave, ça se ramasse. Hop. Là, comment vous dire? Je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire vraiment à part merci. Enfin voilà, merci. Je ne sais même pas si ça suffit de dire merci quand on reçoit des colis comme ça. À chaque fois, je vous le dis, c'est vrai que ça me jette parce que je ne sais pas quoi vous dire, quoi faire, quoi. Voilà. Mais c'est juste un colis de dingue. Alors, il y a plein de trucs, c'est des trucs de malade, quoi. Voilà, elle m'a fait des pochettes, des poches de fou remplies de petites choses. Et ça, on en parle, quoi. C'est un truc de malade. Franchement, Géraldine, je vais t'envoyer un mail. Remercier et puis merci quoi, merci énormément, merci merci beaucoup, c'est trop bien, c'est trop, mais c'est trop bien, merci, je suis super contente, hein. Je suis super contente, mais je suis super gênée aussi, vous savez qu'à chaque fois ça me gêne, je suis, t'as dû te prendre un temps à faire ça là, un truc de dingue parce que elle a tout marqué, vous avez vu à chaque fois, mais tu vois, tu m'en renvoyais déjà que ça là. Moi, j'étais contente hein, d'avoir ça comme ça. Enfin, moi, j'étais déjà contente d'avoir ça. Mais alors là, voilà. C'est le summum. Le summum. Bon, bah, écoutez, la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous en aurez pris autant plein la vue que moi. Et que ça vous donnera des idées, justement, pour faire des rangements, des coupes ou tamponnages. Ou pour faire des petits échanges avec les copines. Ça peut être vraiment sympa. De faire des petites pochettes avec des petits cadeaux dedans. Voilà, c'est vraiment un système qui est à garder. Et le format, il est bien. Voilà. Allez, sur ce, je vais me remettre de mes émotions. Moi, je vous fais des gros bisous. Franchement, merci beaucoup, Géraldine. Merci à vous tous de me suivre tous les jours. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Je vous fais des gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et prenez soin de vous. Bisous, bisous.